Elle est scellée. Bonjour à toutes et à tous, c'est Super NES, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing qui va être plutôt sympa puisqu'on va unboxer du Bleach. Vous l'avez vu sur le titre, il s'agit d'une Unohana. En effet, j'ai très peu, voire pas du tout, de statues de femmes dans ma collection puisqu'elles sont souvent hyper sexualisées. C'est pas trop mon truc. Là pour une fois, je pouvais en acheter une. C'était la célèbre et redoutée Unohana, dit la première Kenpachi. Shodai Kenpachi. Unohana Yachiru. Pas se casser la tête, on va passer directement à l'unboxing. Du coup voilà, c'est la boîte, vous pouvez voir le Bleach en immense. Par contre les couleurs, c'est pas les vraies couleurs qu'on a d'habitude sur le logo Bleach. Je sais pas si c'est plus pour coller avec l'heure de l'ambiance de la Unohana pendant qu'elle fait son bankai. Je vais vous montrer un peu les autres artworks qu'on a sur la boîte. Le premier artwork que vous pouvez voir, c'est celui-ci avec Unohana Retsu. Voilà, voilà, voilà. Et le deuxième, le voici, le voilà, durant son bankai. Belle boîte, assez simple, on va pas se mentir. Je trouve que les illustrations sont un peu trop pixelisées à mon goût, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est ce qu'il y aura là-dedans. Et on y va tout de suite, hein. Je sens que ça va être dingue. Bankai. Bankai. Alors ici, on a des espèces de petites gouttelettes, genre des gouttelettes de sang qui sont liées du coup au bankai. Vous inquiétez pas, il y a beaucoup de pièces là, je vois plein de petits trucs. Donc tout à l'heure, vous allez bien voir tout ça, quand la statue va être faite, quand je vais la monter. Ne vous inquiétez pas, là je vais essayer de faire vite parce qu'il y a vraiment beaucoup de pièces. Waouh, il y en a là maintenant, c'est des gouttelettes avec des têtes de mort. Il y a tellement de pièces qui se ressemblent, elles sont magnifiques, toutes les pièces sont magnifiques. J'ai hâte, j'ai carrément mal au bras parce que c'est haut. J'ai pas envie de baisser la table d'un autre côté. Le jour où je vais déménager, je vais galérer à remettre tout ça, je vous jure. Là, ça se voit, ça va être accroché à l'épée, au katana, au zampakuto. La qualité est dingue les amis, je vous jure c'est super beau, je kiffe trop. D'habitude je suis pas hyper fan des trucs encore une fois transparents et tout, mais ici c'est tellement bien fait parce que c'est pas un effet totalement transparent, on a l'impression qu'à l'intérieur il y a vraiment un liquide en fait, je trouve ça dingue. Socle est dingue. Je sais pas si vous voyez à quel point je kiffe en fait. Genre d'habitude je blablate et tout, mais là je suis tellement impressionné. Je crois que ça va être vraiment la plus belle pièce de ma collection. J'ai une autre bitch à unboxer juste après. Je sais pas si elle va la battre, mais là celle-ci, oh là là, il y a que des têtes de mort. Je vous montre ça tout à l'heure, c'est une dinguerie. Et ici je pense, ouais. Du coup, il y en a 150 et j'ai la centième. Là, c'est hyper limité. Je suis très content d'avoir une, du coup. Et la 100 tout pile. Le corps est grand. Franchement, pour une 1 sixième, j'ai... Waouh. C'est une tuerie. Le corps est vraiment grand. Je kiffe. C'est hyper lourd. Le visage est dingue. J'ai hâte de vous montrer ça de plus près. En plus, il y a vraiment le truc de sang, enfin le coup que Kenpachi lui a porté. Le câble, parce qu'elle s'allume également. Ça aussi, j'ai hâte de voir. Oh, ils ont mis une télécommande, ça déchire. Putain, je préfère ça, qu'on ait un câble et qu'on ait une télécommande. Putain, quel kiff. Et la télécommande, qui est dans la même couleur, donc rouge. Et noir. Alors, ici on a les mains. Je trouve que les mains sont super bien faites. Elles sont un peu à l'image de ce que sait faire Tite Kubo. Parce que Tite Kubo, le créateur de Bleach, est assez connu pour super bien dessiner les pieds et les mains. Et là, je le ressens grave dans les mains ici de Unohana. Je vous avoue que je vais galérer parce que je pense pas qu'il y ait un petit plan ou quoi qui m'explique comment la monter. Donc je sens que ça va être très difficile et très long.
voilà, on a fini avec tout ça. Maintenant, il va falloir monter la statue et je vous avoue que je ne sais pas comment je vais faire. Voilà les amis, alors ça m'a pris un temps énorme, genre je suis épuisé, je devais faire un deuxième unboxing juste après, je ne sais pas encore si je vais le faire. Ça m'a épuisé, il y avait tellement de pièces, c'est tellement compliqué, tout se ressemble tellement, il y a très peu d'indications, je vous jure c'est une galère. D'ailleurs au point où il y a 4 pièces, je n'ai pas encore trouvé où elles doivent être, donc ça va peut-être venir par après, j'espère. En tout cas, même sans ces pièces, on peut voir à quel point la statue est magnifique, je la trouve vraiment dingue. Elle est super belle, c'est une masterpiece, je vous avoue que même avec tout l'aspect translucide, bazar et tout, on a vraiment l'impression qu'il y a un liquide dedans, c'est trop beau. C'est à l'image de la révélation, de la scène, de tout. Donc c'est une masterclass. Je vais vous montrer quand même ce que ça donne quand elle est allumée, puisqu'elle a également un câble pour ça. Je vais vite chercher ma batterie portable, comme ça je vous montre ça. Elle est scellée. Je pense qu'elle passe très bien, je vois pas là d'ici. Mais sur la caméra, ça a l'air sympa. Donc ça, c'est le plus fort. Puis il y a la version un peu plus light, quoi. Encore. Ambiance tamisée. On va voir le maximum. Ça, c'est le maximum. Franchement, c'est une magnifique statue. Je regrette pas du tout mon achat. Elle est hyper belle. Elle passe super bien. C'est Uno Hana. Du coup, pour les pièces restantes, bah, on verra bien ce que ça donnera. Je vais les mettre à côté. De temps en temps, on passe à côté. Si on trouve un endroit où la placer, on la place. Si on n'en trouve pas la place, on n'en place pas. Hein. Mais voilà. Et ici, j'ai la petite pièce, du coup, avec écrit 100 sur 150, car j'ai la centième. Donc, je vais la mettre sur un petit plateau. Je vais vous montrer ce que ça donne. Et puis, on se laisse ici. Hein. J'espère que vous avez quand même kiffé. Moi, je vous assure que je suis mort. Je ne sais pas combien de temps ça a filmé, mais il va falloir que je coupe tout ça parce que ça a duré bien trop longtemps. Et puis, on se voit à la prochaine. Hein. De chousse. Inazuki.